j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est postée dans la semaine. Donc, je suis vraiment désolé, mais je change un peu le rythme de ma chaîne parce que faire ça sur un week-end, donc tourner la vidéo, donc faire le montage, tout ça le week-end et surtout faire plusieurs vidéos sur un week-end, c'est un peu compliqué. Donc, maintenant, bah, il y aura des vidéos la semaine et le week-end. Comme ça, je serai un peu plus actif. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, ça s'appelle le sac Arpenaz numéro 10. Donc, celui-là. Donc, la contenance est 10 litres. Et ça convient donc vraiment que pour des petites randonnées, des petites sorties, du repérage pour le bushcraft aussi. Les inconvénients, c'est que je fais mal au dos sur une grosse journée. Moi je ne conseille pas ce sac là pour faire du bushcraft comme je fais. Je pense que vous le voyez de moins en moins ce sac. Après, il résiste pas aux coups de couteau. Donc, moi j'ai eu un peu l'expérience. Je sais pas si vous pouvez voir ici. Par là, ici là, voilà ici. Il dit coupé. Mais voilà. C'est pas vraiment très très grave. Donc ce qui vient, c'est qu'il résiste à l'eau. Enfin, c'est pas mal. C'est une vague d'eau qui arrive dessus, ça va. Et si vous l'immergez complètement et vous ressentez, ce sera un tout petit peu humide à l'intérieur. Donc là sur la vidéo, je fais juste une review orale pour vous présenter ce sac. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Ça, l'inconvénient, c'est qu'il est pas cher. Il est à 3,50€, je crois bien. En dessous de 5€, ça c'est sûr. L'avantage aussi, c'est qu'il a une petite poche à l'avant et qu'on peut vraiment la blinder. C'est vraiment juste ouf, on peut la blinder de dingue. Après ça pour le bushcraft, on peut pas mettre de pelle à l'intérieur. De hache, le trépied pour ceux qui font des vidéos. Voilà, donc moi je conseille ce sac là aux gens qui débutent un peu le bushcraft pour des petites sorties, pour des petits trucs. Mais je conseille pas ça, ce sac là pour, pour les experts, entre parenthèses, à part juste pour le repérage. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du sac. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!